Et salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ce matin, je me suis tentée, j'avais envie un petit make-up, jamais fait. Ça s'appelle, c'est un cut crease, donc c'est une technique de maquillage en fait qui va venir couper la paupière. C'est un effet d'optique, ça va venir un peu agrandir l'œil, mais surtout si tu as la paupière qui tombe, ça aide. Et vu que là, je suis pas mal fatiguée en ce moment et tout, je me suis tentée ça. Alors c'est sûr qu'avec les lunettes, on ne fait pas attention aux cernes, hein. Vu comment je tousse et tout toute la nuit, forcément, voilà ce que ça fait. Est-ce que vous allez bien vous rendre compte? Moi, j'avoue que quand je me regarde dans la glace, ça se voit vraiment. C'est quand même très très joli. Mais je vais quand même remettre mes lunettes. Le programme du jour. Alors, j'en ai pas vraiment. Je me suis bien avancée hier dimanche. Ça, c'est cool. Résultat, je suis à jour. Donc, soit je vais m'occuper de ma maison, soit je vais m'avancer dans toute autre chose. On verra. Ce matin, le facteur est passé. J'ai reçu deux colis. Donc, j'ai reçu la box Evidence hein, pour notre chaîne. Mais aussi, c'est un produit clinique. Donc, j'ai eu par Octoly gratuitement. Et c'est, vous savez, le produit qui est en collaboration avec Caroline Receveur. Vous voyez, c'est ça. On a toute cette gamme. Et ça se présente comme ça. Ça, c'est la fameuse cartouche. Donc, moi, comme je vous ai dit, c'est contre la fatigue. Voilà. Donc, cette cartouche va aller dans la gelée hydratante qui est juste ici. Et donc tous les actifs vont se mélanger entre eux. C'est cool. Alors moi, clairement, ce qui me plaît là-dedans, c'est quand même, il parle de 24 heures d'hydratation et c'est une hydratation intense. Et ça va rafraîchir, moi qui ai la peau un petit peu déshydratée, c'est parfait. Je vais quand même me faire à manger parce que, figurez-vous, il est 14h à faire tous mes petits trucs, blablabla. Je me disais, mais je commence à avoir faim. Donc, je vais manger. Je sais pas ce que j'ai d'ailleurs à manger. Vu que j'ai pas fait de grosses coursettes dernièrement, je risque d'être obligée. Ça, c'est sûr, j'ai plus de confiture. Donc, je vais peut-être aller faire des coursettes, mais pas Leclerc et tout. Oh, j'en ai pas la force. Je vais me faire le reste de pizza d'hier. C'est une pépina, je crois, donc vegan. C'est pas terrible. Franchement, c'est pas très goûteux, hein. Ça vaut pas les pizzas classiques quand même. Bon, je vais me faire réchauffer ça. Ben, vous savez quoi? C'est hyper bon. C'est meilleur qu'hier soir, je trouve. Enfin, j'ai fait réchauffer au four. Et tous les ingrédients ressortent. Très bon. Ou alors c'est que mon nez s'est débouché, peut-être aussi. Je crois que j'ai sous-estimé mon travail. Ah, il y a encore cette miniature à faire. C'est du boulot. J'avais encore plein de choses à faire. Bon, regardez. Je me suis fait ma petite pause raisin. Ils sont excellents, je vous en avais parlé. C'est des raisins bio. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Très goûteux. J'ai l'impression de le redécouvrir. Surtout le noir. C'est tellement bon. Je finis ça. Il est 4h29. Et après, je vais faire mes coursettes. Ça rend bien, hein, la miniature. Et si je me changeais la date? Parce qu'on n'est pas le 30. On est le 7 octobre. Bon, Eric va rentrer, je suis super à la bourre. Je m'étais dit, voilà, genre à 3h, faudrait que t'as fini ça à 4h. Et là, il est 5h passé. Ça me saoule. C'est pas grave. Je voulais aller faire mes courses avant qu'il rentre. Ouais, comme ça, il rentrait du boulot. Je lui avais déjà acheté ses petits trucs et tout. Et ben non, c'est pas grave. Je vais y aller maintenant. Ça caille, hein, ça caille vraiment. Il fait pas beau là, mais bon, c'est un petit peu de circonstance. Je vais donc m'équiper, je pense pas qu'on marche hein, aujourd'hui, parce que de toute façon, je n'ai pas le matériel. Il me manque un coupe-vent et une écharpe, vous savez, qui fasse un petit peu tube, parce qu'il est hors de question que je retombe malade. Mais je n'en avais pas trouvé chez Decathlon, des fameux coupe-vent longs. Il faut, je me suis renseignée, trois couches de vêtements, en fait, pour pas que le vent s'engouffre. Et voilà, tant que j'ai pas tout ça, je vais pas marcher. Oh, l'excuse de merde! La tête, tu t'endors sur ta marche. Je m'approche pas trop vite, sinon il va pleurer, il va faire maman, maman, piensame, j'ai faim. Bonjour. Quand je vous dis à chaque fois que je le filme, il bâille. Un bébé, ça? Y a papa, il va rentrer. Je vais descendre tout ça. Et je suis à ma troisième, ouais, troisième bouteille et part. Parce que c'est plein, plein, plein de magnésium, chose que j'arrive pas à absorber avec les médicaments. Donc bon, ça peut me faire du bien. Bon, Eric est rentré. Vas-y, passe.
On va aller chez Decathlon, chez Intersport, chercher ce que je vous disais, ce qui me manque. C'est pas pour ça qu'on va aller marcher aujourd'hui, hein, parce qu'il va être presque 6 heures, donc ce sera demain sans doute. Et bah, c'est parti. C'est lui qui décide quand il fait câlin, tu le sais. T'as fait le câlin? T'as quoi à prendre, toi? Parce que moi, je le fais pour moi, mais... On a trouvé des trucs sympas, enfin moi surtout. Je montrerai à la maison des baskets de ville. Je suis pas très basket, mais j'avoue que je les trouve un peu, j'ai trouvé fun. Bah on est rentré. Tu veux montrer ou t'as pas le temps? Non, c'est pas le temps. Pourquoi tu montres pas? T'as des Yeti à dégommer. C'est vrai, sur ton jeu. Comme je vous disais, je me suis pris des baskets. Alors, je précise, elles sont très 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 particulières. Elles sont pas données, mais 89,99€. Tadam! C'est pas un modèle qu'on va mettre facilement, mais je les trouve tellement fun. Je suis confort dedans. Les lacets, bah, ils sont là-dedans. Même Eric m'a dit, ouais, franchement, ça te va très bien. Lui, il a pris ça, donc c'était à 50% des Adidas. Ils ont pris 49, je crois, au lieu de bah, le double. Hein. Voilà, modèle tout ce qu'il y a de plus classique. Je me suis pris un modèle de gants, franchement, 2,99€, je ne sais pas ce que ça va valoir, mais moi j'ai tendance à avoir l'onglet très très vite depuis que je suis toute petite, donc j'ai intérêt à mettre des gants quand je vais aller marcher. J'ai pris donc un tour de cou, taille unique, 4,99€. Et ce coupe-vent, framboise, il était aussi en beige, mais bon, c'est beaucoup trop salissant. Il est très bien, il y avait, qu'est-ce qu'elle m'a dit comme marque ? C'est-à-dire que c'est très imperméable, il n'y a pas une seule goutte qui résiste et qui tient en fait, mais non, 200 et quelques euros, non. Je l'ai payé 34,99€ et Eric m'a dit, demain, on reprend la marche, voilà, pour mes petits achats. Et bah, le père était à côté, donc on a pris notre groseille et puis quelques petites choses, ça me donnait pas mal envie. Crème dessert avec le dessus qui est craquant. Je pense pas que je... Oui, les robes... Je les ai mises là. Que je vous montre les baskets portées aujourd'hui. J'en ai pas le courage. Peut-être dans le vlog de demain ou après-demain parce que elles valent le coup quand même. Ah, mais c'est vrai. Faut que je range ça. J'avais enlevé le tapis. Il y en a partout, partout. Quand j'avais fait le tournage des robes. Bon, j'ai pas terminé. Hein. Il y a encore du taf. Je vous pose là. Ah, attendez. Je vais chercher. C'est le micro-ondes qui sonne. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu attends ton eau, je viens de t'en donner. Hein? Mais oui. Voilà, bon, Eric a fait la sienne, on aime bien de temps en temps et c'est comme ça, voilà. Ce soir, c'est pasta box. Oh là, il vient de se faire un saut, bravo. Oui, je vous disais, qu'est-ce que je vous disais d'ailleurs? Je sais plus avant de... qu'il était 8h30 ça, ouais, mais même on s'en fout. J'ai regardé du coup un peu les commentaires sous la vidéo des robes et les avis sont quand même très partagés, je le comprends, hein, c'est pas déjà des robes évidentes à porter. Certaines me grossissent, je trouve, certaines me vont pas, certains trucs ça va, donc forcément, mais bon, moi j'ai pris plaisir. C'est vrai que la prochaine fois je ferai quand même beaucoup plus attention à bien choisir les modèles et puis à bien prendre les mesures. Je me suis peut-être plantée aussi, je sais pas, mais bon. Et demain justement, comme on est mardi après-midi, j'ai bien envie d'aller dans une ville à côté de chez moi, une cinquantaine de kilomètres, là où il y a des boutiques sympas, parce que j'ai en tête une idée, j'ai un petit projet, un truc, voilà, donc il faut que j'aille faire du repérage et tout, donc ça peut être sympa, plutôt que d'y aller le samedi, quand ça va être bondé, voilà, donc je vais clôturer hein, maintenant ce vlog qui était tout petit, c'est sûr, je le sais, mais bon, c'est comme ça, il y a des vlogs un petit peu plus longs parfois. Ce soir, c'est un vlog... plus court. Je vais manger, je vais regarder ma série d'ailleurs, j'ai fini Gossip Girl, les 6 saisons, sachant que dans une saison t'as genre 24 épisodes, tu te sens toute perdue quand c'est terminé, mais je vais enchaîner, je crois que je vais regarder Elite saison 2, j'avais vu la saison 1 même si j'avais aimé plus ou moins, ça va bébé, donc je vais voir sur quelle série je vais enchaîner. Je vous fais un gros bisou et vous dis à demain. Vous avez vu dans l'état qu'il me met en plaid à chaque fois pour un nouveau vlog? Tu dis au revoir, Jack? Salut.